Yo les gens, c'est The Game. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon tuto numéro 3 ou numéro 2. Je sais plus si j'avais supprimé mon tuto 2 que je ne pas tellement. Je pense le refaire si je peux. Donc bon bref, voilà. En gros, sur ce tuto numéro 2 ou 3, je vais vous donner mes astuces sur les maps close quarter. Donc je vous ai réuni les 4 maps. J'ai pris des séquences précises des gameplays que j'ai fait. Donc là, pour prendre déjà ce point là qui est le point C, je crois. Ouais, je crois que c'est le point C. Donc vous avez soit vous mettez dans la piscine, soit vous mettez là où il y a l'eau qui coule, ou dans le coin, regardez, là dans la piscine, ou je sais pas si je vais bien le montrer, là voilà, vous voyez l'eau qui coule là, vous mettez là où il y a le canapé en gros, non, derrière là où il y a les canapés, voilà, ici, voilà, je vais vous mettre ici pour sécuriser le point. Excusez-moi, je suis malade. Moi sur cette map j'aime bien passer par en haut. C'est plus pratique que plus sécurisé que par en bas. Donc j'ai testé sur les maps sont vraiment très très petites. Mitraillette est conseillé, mais un fusil d'assaut peut très, très bien faire l'affaire. La preuve en image avec une M16 ou qui est très polyvalente, ou une AEC, ou je sais pas comment vous l'appelez, l'AEK. Bref, vous m'aurez compris. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur Battlefield 3, je vous conseille grandement de bien vous focaliser sur la M16 A3, qui est une arme, comme je vous l'ai dit, polyvalente, et donc elle est assez simple à utiliser. Vous mettez garde-main, un petit viseur, et ça fera l'affaire. Moi perso, j'aime bien rajouter le viseur laser, vous savez, le viseur qu'on met juste en dessous de l'arme. Et ça fait un laser pour être plus précis. Donc là, pour prendre ce point, il n'y a pas trop d'astuces. Enfin, j'en ai pas beaucoup trouvé. À part tourner en rond, comme j'essaie de le faire. Je sais pas si je vais le refaire plus tard. Mais c'est pas grave. Donc là, l'ennemi avait posé du C4 sur le point. Je trouve pas ça vraiment fair play. Après, ça peut être une astuce. C'est vrai, après je sais pas comment vous voyez si c'est quitté ou non. Donc là, j'essaie de contrôler un peu les deux points parce que je sais que l'ennemi était en train de prendre C et en même temps A. Donc, on peut dire, je ne savais pas trop où ils allaient arriver parce que je crois qu'ils prenaient C et A était à eux. Donc, comme j'avais le visuel sur comme les deux allaient aller. Vraiment vers B, je ne savais pas trop où me tourner. Donc là, je sais pas si ça s'est montré dans la vidéo déjà, pour prendre le point A, tout simplement, je me suis mis aussi sur les balcons pour le défendre. Donc alors sur ces maps, il faut savoir que je suis souvent en conquête et de domination. Votre équipe et l'équipe adverse ont une sorte de ronde. Genre, il y a tant et un ordre. Il y a genre, on prend C, on va perdre A, on prend A, on va perdre B, on prend B, on va perdre C. Donc, enfin, vous m'aurez compris. C'est tout le temps des rondes, mais souvent habituelles. Et moi, des fois, voilà, ce que je vous montrais. Des fois, moi, j'essaie de casser ces rondes en essayant de protéger, pas de camper mais de rester assez mobile parce que la map est très petite, et de protéger certains points. Donc voilà,
c'est une astuce que je peux vous conseiller, surtout pour la conquête et domination sur cette map. Ce n'est pas le cas pour toutes les maps. Vous le verrez plus tard. Je pense plus particulièrement à la map Ferrari où je n'ai pas trouvé ce système de rond. Où au contraire il y a plus un point central que trois points. Enfin, un point central qui domine, on va dire. J'ai trouvé que une map comme celle-ci où avoir les trois points est important. À part moi, BO, j'ai un peu moins d'affinité pour prendre ce point parce que déjà il y a le comptoir qui est juste derrière. Je déconseille un peu de passer parce que extrêmement beaucoup de corps à corps, les corps à corps c'est un peu bizarre des fois sur Battlefield, c'est vrai. Et donc voilà. Donc là, on m'a tiré dessus, je ne voulais pas mourir, donc j'ai voulu me réfugier dans un coin pour reprendre de la vie avec un médicament qui était assez judicieux de ma part. Voilà, je me cachais dans un coin pour reprendre de la vie. Donc j'ai testé aussi plusieurs armes sur cette map où les fusils à pompe sont quand même à conseiller. Vous prenez un space boost, vous pouvez faire quelque chose, mais sur d'autres maps comme Ferrari, je ne vous conseille pas du tout le fusil à pompe. Donc bon, là vous voyez que j'essaie vraiment de protéger A et je reste vraiment à proximité de A, je ne m'éloigne jamais trop de A afin de casser un peu cette ronde que font les ennemis et pouvoir passer à nos alliés, prendre les autres points. Donc ça peut être avantageux comme ça peut ne pas l'être, donc à vous juger. Donc voilà, donc faut savoir aussi que j'étais tout seul. Pardon, excusez-moi. Il faut savoir que j'étais tout seul pendant pour ces vidéos, pour ces gameplays. Et donc voilà, donc si vous voulez m'ajouter aussi sur PSN, n'hésitez pas. Par contre, vous pouvez aller sur mon compte secondaire, parce que sur mon compte principal, c'est... Je garde ça pour les amis. Donc mon compte principal que je mettrai dans la description qui est MTheGame. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc là vous pouvez voir que j'essaie de défendre B, mais comme je vous l'ai dit, plutôt B n'est pas du tout mon point préféré. Et je n'aime pas trop défendre, à part, franchement, un conseil, c'est si vous voulez défendre B, restez en haut. Franchement, essayez de le défendre en haut, déjà ça peut vraiment servir. Et vous êtes un minimum protégé au début par une certaine discrétion. Car moi, des fois, je me fais tuer par en haut. Et franchement, je m'y attendais pas beaucoup. Donc voilà. Donc vous pouvez voir aussi que voilà, dans la piscine, franchement c'est, je pense, le meilleur point dans la piscine, enfin le meilleur spot pour prendre ce point là. Donc c'est ce que je vous conseille. Donc je vous conseille tout le temps de jouer avec vos amis. C'était pas trop le cas pour moi, mais bon, ça m'a pas trop dérangé pour cette vidéo. Donc voilà, moi, oui, je vous conseille aussi, surtout dans les maps petites comme ça, de souvent tirer au jugé et donc de mettre un petit viseur laser pour tuer plus facilement les ennemis. Donc voilà, le gameplay sur cette map est fini et là, passons à la map Opération 925. D'ailleurs je suis en train de réfléchir, je me rappelle plus du nom de l'ancienne map, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je l'avais noté, j'ai plus la feuille sous mes yeux. Bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie.
J'ai remarqué que sur cette map c'était pareil que l'autre. Elle fait partie des maps avec l'autre, c'est Tour du Bas, je crois. Bon, je me rappelle plus trop des noms des maps, c'est un peu d'importance. De toute façon, vous voyez le gameplay. Vous reconnaîtrez. Ah oui, c'était où Tour Ziba, ça, ou Forteresse d'Onia? Non, Forteresse, ouais. Juste avant, c'était Tour Ziba. Ouais, voilà, je me rappelle. Et Forteresse d'Onia, c'est plus arrivé. Donc là, ça marche sous forme de système de ronde. Ça va, c'est à A et à B, C à B, voilà. Et donc je vous conseille de faire quasiment pareil. Par contre l'autre map se tenait sur deux étages, mais et celle-là ne se tient et se tient sur trois. Donc je vous conseille vraiment de rester qu'à deux étages, d'éviter le haut, parce que des fois il y a des personnes qui squattent et ça peut être des personnes qui plantent ou qui sont plusieurs, mais ça peut être avantageux par contre pour défendre les points. Donc mettre un ou deux joueurs en haut serait un peu favorable, mais pas plus. Donc là, pour prendre ce point, vous pouvez facilement vous mettre derrière le comptoir, mais attention aux grenades comme il venait de se passer. Donc voilà, donc oui, aussi il y a deux armes secondaires que je vous conseille, c'est le Magnum et le G18. Le G18 qui est l'arme secondaire automatique du jeu, et le Magnum qui est tout simplement puissant. Des fois les ennemis, si vous voulez qui en headshot, je sais pas si vous voulez kill en une seule balle ou en deux balles. Mais le 44 Magnum est vraiment très très efficace, surtout en hardcore. Je crois qu'il est carrément il one shot en hardcore, donc c'est pour vous dire. Donc moi j'aimais bien garder ce point. Attendez, je me rapproche, ce point A. Oui, c'est le point le plus pratique. Celui d'en bas était un peu trop éloigné. Il était un peu bizarre le point d'en bas, parce que déjà c'est très sombre. Regardez dans le garage, c'est très sombre. Et il y a beaucoup de voitures. Et déjà en début de partie, je crois que les voitures, si je dis pas de conneries, explosent. J'espère me prendre dire, bon, c'est pas grave. Et aussi les. Moi je sais que j'ai vraiment mal à voir les ennemis. Par rapport aux voitures, parce que ça se cache facilement. Celle-là, c'est pas ma préférée de map. Moi, elle est bien, vous avez de longs couloirs. Je vous conseille plus un fusil d'assaut sur cette map. Tout simplement, je pense oublier un peu les mitraillettes M5K et tout. Et les fusils à pompe aussi. Après, ça vous voit. Mitraillette, ouais, après, ça peut être efficace. P90. Du genre, ouais, mais je pense plus particulièrement à M5K, oui, je pense. Après, peut-être comme vous voulez, ça peut être efficace, mais voilà. Donc, après, je peux toujours vous conseiller aussi les grosses mitraises comme M249. Je sais pas si c'est cheaté, quelque chose du genre. Franchement, je m'en fous de tout ça. Je suis pas là pour vous dire c'est cheaté, pas cheaté, c'est pour des conseils bidons. Moi franchement, jouerai avec ce que vous voulez. Vous avez payé un jeu 70 ans comme tout le monde, vous jouerez avec ce que vous voulez. Le jeu a été créé comme ça, donc je ne dirais pas comment vous jouerez pas avec cela. Donc là vous voyez que je fais souvent des bagues assez pardon, pour aller prendre pour garder ce point, car c'est vraiment le point que je voulais garder. Donc voilà, donc là au passage sur Battlefield, c'est tout le temps les points, le score qui compte, et dans les kills
et les morts, franchement, je prévois toujours le score, les points, que le kill. Et donc voilà. Donc après, ouais, pff, de toute façon, vous verrez le score dans le truc. Je sais même pas si on verra mon score dans la vidéo. Là, en plus, je vous cache pas, j'ai fait des bons scores, mais je crois que j'ai fait du 30-25 ou du 30-20, truc du genre. Sur Battlefield, je trouve ça pas mal parce que c'est. Je commence à faire des scores pas mal sur Battlefield. Enfin, depuis un bon moment, mais voilà, depuis 4 mois à peu près. Je sais plus, franchement, je compte pas les mois. Depuis mon premier tuto, je commence à faire. Depuis 2-3 semaines avant mon premier tuto, je commençais déjà à faire des bons trucs. Oula, donc alors là, les morts s'enchaînent sur moi. À vrai dire, franchement, je ne suis pas très capable de la réanimation kamikaze, j'appelle ça, genre on vous rallie alors que vous êtes en plein milieu d'une fusillade. Franchement, évitez tout ce que je peux vous dire. Ok, vous avez les points, mais pour celui à qui vous ralliez, c'est super chiant, faut pas se le cacher. Donc voilà, ensuite, oui, voilà, je vais vous parler aussi du point en bas. Bon, je n'y suis pas, mais bon, vous y penserez. Au point en bas, vous n'avez pas beaucoup, enfin, vous n'avez pas du tout de bons conseils. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs, voilà, vous avez plusieurs côtés qui mènent en bas. Et à part vous, ah oui, oui, vous pouvez vous cacher derrière les. Derrière les styles de palettes là, je sais pas quoi, les cartons, je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est, vraiment les bois, je sais pas du tout ce que c'est. Je vous conseille juste de vous cacher là, mais c'est assez dur à contrôler le point dans un coin, car il est assez accessible. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par en haut, les. C'est peut-être le top pour défendre vos objectifs. Donc après, voilà, mitraillette, franchement, ça peut marcher nickel. La P, je pense plus particulièrement à la P90 et la PP19, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, je crois la PP19, celle qui était disponible avec Bat Carcam. Peut-être que vous l'avez le DLC, je sais pas, il y en a qui l'ont pas. Mais voilà. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur cette map. J'ai pas d'autres astuces à part peut-être de temps en temps vous cacher derrière les bureaux, les murs et tout. Donc ça, c'est la partie. Ici, là, je sais pas, bon, je vois très mal le score que j'ai fait. C'est pas le meilleur score que de tout ce que j'ai fait sur cette map. Et d'ailleurs, je suis surpris parce que je pensais l'avoir coupé plus. Bon, c'est pas grave, on va laisser filer la vidéo. Donc, la prochaine map, logiquement, c'est Forteresse d'Onia, mais je ne suis encore une fois pas sûr. Donc voilà, je viens de vérifier, la vidéo va durer 45 minutes. Donc on est déjà au quart de... Qu'est-ce que je dis? On est déjà à la moitié de la vidéo. Excusez-moi. Donc, alors, sur Forteresse d'Onia. Franchement, Forteresse d'Onia me fait vraiment penser à... à Tour Ziba, car bah déjà elle est assez polyvalente au niveau des armes. Vous avez de l'extérieur et de l'intérieur, pas comme dans, enfin, vous avez du paysage un peu extérieur et du paysage un peu intérieur comme sur Tour Ziba. Donc là, déjà, première astuce pour le point A, je vous conseille de
souvent lancer une grenade comme ça sur, sur le point, même si ça fait pas de kill, très souvent ça, ça élimine les équipements ennemis, type C4 qu'on retrouve souvent. Et donc voilà, et souvent ça fait des kills, hein. Franchement, souvent ça me fait des kills quand je balance une grenade sur un comme ça par le bas, parce que bah, tout simplement c'est sur une terrasse, donc voilà. Donc sur cette map, bah, c'est pas la map que j'apprécie le plus. Pourquoi? Bah, parce que sur cette map ça, c'est assez statique au point de A. Donc à part rester statique sur le point de A, vous n'aurez et sur le point de C, même sur le point de B, excusez-moi, vous n'aurez pas trop de possibilités à être mobile dans vos mouvements et en même temps protéger les points comme il était présent sur Tour Ziba. Donc là vous voyez que je vais tout le temps le réflexe de la conquête normale. Je mets tout le temps une caisse de soins sur un point. Ça sert, c'est des petits points comme ça un peu stratégiques que j'ai, où j'ai mis sur les points. Donc là franchement j'avais pris la FAMAS. La FAMAS que je trouve vraiment efficace malgré qu'elle ne comporte qu'elle comporte peu de balles. Et bref, parce que j'ai eu un petit bug de son avec les commentaires. Bug d'enregistrement. J'ai lancé la deuxième partie. Donc alors là vous pouvez voir que je suis au train d'acheter une arme comme la M16 et la AEK qui est très polyvalente. Elle a une plus grosse cadence de tir, donc les balles dans le chargeur partent plus vite. Donc là vous voyez que je n'ai pas hésité à switcher sur des armes juste pour tester si elles valent le coup sur cette map. Je peux vous dire que ce soit fusil à pompe. Par contre fusil à pompe c'est pas pour tous les endroits. Je pense particulièrement au point CB qui où les longs couloirs sont un peu à déconseiller au fusil à pompe. Mais faut savoir que le fusil à pompe de BF3 fait très bien son taf. Enfin même de loin quoi, en gros il fait des marqueurs à l'ennemi au moins. Donc voilà, PP19, là j'ai pris une M5K que vraiment j'adore. Et donc voilà, donc là vous allez voir que plus tard il y aura des personnes qui vont se mettre un spot ici pour protéger ces. Un spot qu'on peut parler de camp, mais vous savez, je sais pas si vous savez ce que je pense sur la camp. Je n'aime pas quand on campe pour killer, mais que ce soit pour protéger, mais quand c'est pour protéger des objectifs et que c'est bien fait, genre on campe pas avec une clé mort à 2 mètres devant soi. Je trouve ça. Ça, j'aime pas quand on campe comme ça, mais quand on campe juste avec une arme, n'importe quelle arme. Et pour moi il n'y a pas d'arme cheatée. Avant il y avait l'Uzazouz, pas du tout. Non, c'est la Sega 12K, enfin un truc du genre. Ouais, j'aime bien l'appeler la Sega Tuki. En référence à Tuki Sport qui font les jeux ennemis. Donc là vous pouvez voir que là les allées de B, il y avait plein de monde, ce qui a été impossible pour mon
ma petite M5K car son petit chargeur de 30 balles et sa grosse cadence de tir n'a pas suffi pour tuer tous les ennemis. Donc là je me lance une grenade quand même par précaution, on sait jamais, même des fois ça peut être utile. Je sais pas si je vais vous montrer, mais des fois je lance des grenades pour rien, juste pour voir s'il y a du C4. Car bah en fait, pendant que je fais ce tuto là, il y a un truc qui m'a beaucoup fatigué, c'est les C4. Franchement, les C4, ça a été vraiment, vraiment relou. Après, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça peut être utile, chez les gens qui aiment bien, mais moi j'ai tendance à ne pas vraiment apprécier ce style de jeu. Donc là, je suis étonné de ne pas avoir coupé ces séquences-là, pas qu'ils soient minables, mais parce que normalement, j'avais arrêté plus tôt le gameplay, j'aurais pensé. Là, regardez, on est en train de chercher les armes, en train de les tester. On a vu dans les menus. Bon, bref, pour vous amener pour deux secondes, ça va être donc là, heureusement que cet allié m'a tout simplement sauvé la peau, car sinon je serais déjà mort. Donc voilà. Donc alors là je testais aussi les grosses mitrailleuses. Franchement, comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout ce que vous pensez des grosses mitrailleuses. Moi personnellement, la M249 c'était mon grand coup de cœur du début du jeu. Avant que je me casse ça, j'ai eu 3. J'ai eu les deux médailles, les deux étoiles de service à la M249, je sais pas si vous voyez. Franchement, sur Opération Métro avec la M249, avant je vous ai une tuerie quand j'avais débuté sur le jeu. Je me rappelle les bons vieux souvenirs, je me rappelle c'était en mars 2011, là quand ils avaient sorti leur mise à jour, où on pouvait louer les serveurs, enfin, et quand on est sur des serveurs 750 tickets, même encore maintenant vous pouvez encore trouver ces serveurs. Donc là vous voyez le magnum très utile. Alors là j'ai testé une arme qui est la PDW57, si je me trompe pas du nom, en tout cas du nom, parce que PDW c'est sûr qu'elle s'appelle comme ça. Donc je vous la déconseille vu le nombre qu'elle a dans de balles qu'elle a dans le chargeur. Franchement, mieux prendre même à la place pour une M5K, mais pas une PDW. Je vais faire quelque chose aussi parce que j'ai vraiment douté de l'arme quand j'ai vu son nombre de balles. J'ai vraiment douté de l'arme, donc vous mettez 2-3 balles à côté, c'est bon, c'est mort pour vous. Donc voilà. Donc vous voyez la réanimation que je fais. Je fais pas au milieu de tout le monde, je fais pas au milieu des fusillades. Des fois ça m'arrive de faire des erreurs et de le faire au milieu des fusillades, certes. Mais bon, il y en a qui font que ça pendant toute la partie sur métro, où vous avez un mec qui mitraille avec une M249 et dans le tas, et le mec il n'arrête pas de vous réanimer. Vous refaites retuer, il vous réanime quand même. L'ennemi vous retue, il vous réanime, bref, c'est chiant, franchement les gars, arrêtez ça, franchement c'est, là oui c'est cheat, là c'est quasi un petit jeu de faire ça, voilà, donc franchement, sur ces maps là, ne prenez surtout pas les classes ingénieurs, justement ça vous servira à rien à part ce que vous faire des défis, genre tuer un mec avec un robot d'âme. Je sais qu'il y avait un défi pour débloquer une arme d'ailleurs, comme ça tuer un mec, tuer des mecs avec un robot d'âme.
Donc je vous ai pas dit les spots là pour prendre les points, tout simplement parce qu'il y en a pas. Vous avez pas de petite cachette sur cette map pour prendre les points, à part pour des spots pour les protéger comme ici. Voilà notre cher Cramper que je parlais de tout à l'heure. Et d'ailleurs avec lui on s'est entretué. Donc voilà le sniper, si vous voulez vous amuser à jouer sniper, je vous conseille de mettre la mire. J'ai déjà testé la mire, hein. Je m'étais pas mal débrouillé, je suis pas un pro du sniper. Mais par exemple désolé vraiment, c'était parce que je recevais un message et ça a tout fait bugger. Ça a dû vous casser les oreilles, je sais. Bon, bref, vraiment désolé. J'essaierai de mettre un genre de muet à des moments où, par exemple, où je touche des trucs du genre, parce que je pense que ça va redonner horrible, mais je le fais si j'y arrive. Parce que si j'y arrive pas, vraiment, je suis désolé. Donc voilà. Donc là vous voyez là, à part là, voilà. Quand même, je vois pas trop l'intérêt de se mettre là. À part un qui surveille d'un côté et l'autre qui surveille de l'autre. Je vois pas de cachette du tout pour capturer ce point. Pour le point, voilà, celui-là là, le C. Derrière les caisses, derrière. Je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas si je l'ai montré. Ah oui, je l'ai montré, je crois, en début de vidéo. Avec la FAMAS. Là, je crois que l'ennemi va être plus intelligent que moi. Voilà, regardez. J'ai fait une erreur. J'avais mon Magnum. J'ai re-switché sur mon AEK. C'est ça que j'avais, voilà. Sur mon AEK. Et ouais, moi j'ai les deux manières. Des fois j'y... ça dépend de mon humeur. Des fois j'y l'AEK, l'AEK, bref. Vous dites comme vous voulez. C'est comme le jeu The Last of Us. Il y en a qui l'appellent The Last of Us. Moi personnellement je dis que The Last of Us. Après, libre à chacun de dire s'il a envie, j'ai envie de dire. Donc là, bah, bizarrement, je suis resté longtemps sur ce gameplay. Je vous ai à peu près tout dit. Ah oui, alors cette map se joue sur 3 étages aussi. L'étage en bas qui permet d'aller au point B, et l'étage du haut qui permet d'aller au point A, et l'étage du milieu, si on peut appeler ça comme ça, ou souterrain d'en bas et du premier étage si vous préférez. Bon bref, celui d'en bas ou du milieu, je sais pas comment vous l'appelez. Bon bref, là où il y a le point C, après en bas vous avez le point B, et tout en haut vous avez le point A. Donc ça ne sert à rien de jouer avec les étages sur cette map, vous l'aurez compris, car il y a tout simplement un point par étage. Donc jouer avec les étages ne sert à rien, à part si vous voulez tout simplement protéger un point, rester dans les étages. Mais personnellement, cette map, j'aime pas trop protéger les points, comme je vous l'ai dit. Sur cette map, moi je fais les rondes comme tout le monde. Je suis pas fan de protéger les points comme je le fais sur Tour Ziba, où vraiment c'est un kit de protéger les points. Je trouve ça vraiment plus fun que sur cette map. Donc bref, là donc vous voyez Shala M5R. Voilà, c'est ça la caisse que je vous disais. Mettez-vous derrière ça, mettez-vous accroupi si vous pouvez derrière. C'est le top franchement pour capturer ce point là. N'essayez pas trop de capturer à part le point A, mais ce point là et le point de combat, n'essayez pas trop de les capturer tout seul.
Voilà, excusez-moi. Je me suis muté parce que je toussais. Donc voilà. Donc là, j'ai jeté une grenade car j'ai vu un ennemi. Je ne voulais pas tirer à l'arme, tout simplement. Oui, voilà. Pour prendre le point A, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil, comme je l'ai fait par le balcon, sur le côté. Ce qui m'a été. Ce qui m'a déjà été utile. Je sais pas si ça s'est montré à la vidéo. Franchement, je donne plus des conseils que je compte le gameplay. Je compte en rapport, mais je donne plus des conseils. Donc là, depuis que j'avais vu les... On va pas appeler ça les campeurs, parce que ça serait plus gratif pour ce style-là. Mais pour les défenseurs de tout à l'heure, voilà. Ça fait classe. Pour les défenseurs de ce point-là de tout à l'heure... à cause d'eux, ben maintenant je regarde, même grâce à eux, maintenant je regarde tout le temps s'il y a un ennemi. Bon, ce petit tic ou toc, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, on s'en fout. J'espère qu'il va passer. Non, j'espère qu'il va pas du tout passer parce que je sais que dans des parties récentes ça m'avait bien aidé. Voilà. Donc là bah j'ai plus trop rien à vous dire. Franchement voilà. je crois qu'on va bientôt passer à l'autre map qui est tout simplement ferraille. Ouais, dans 5 minutes, dans 2-3 minutes. Donc je vais vous commenter le gameplay en attendant. Ah, oui voilà, alors oui. Là faites attention aussi quand vous passez en dessous car il y a les piliers qui peuvent gêner, donc ça peut être ça peut vous désavantager, voilà, j'avais fait le dire, comme ça peut vous être favorable. À vous de voir si vous gérez ça. Moi personnellement ça dépend, il y a des fois je gère pas du tout et des fois je gère tout simplement. Donc là vous voyez toujours mon système de ronde qui est un ordre de points qui est A, B et C dans l'ordre comme je l'explique, ou même des fois ça m'arrive de faire A, C, B. J'aime bien avoir sur cette carte le point A ou le point C. Le point B, comme ils sont tout en bas... Bon, en fait, les points tout en bas, à part sur ferraille et bah Tour Ziba, de toute façon, Tour Ziba, il y a que 2 étages. Sur ferraille, il y en a 36 000. Non, je déconne, mais je crois qu'il y en a 3 ou 4. Je me rappelle plus trop. Franchement, ferraille, celle que j'aime le moins dans le pack. Aussi, il faut savoir que ce pack-là, bah... Il a pas été vraiment conçu pour les fans hardcore de la série Battlefield 3 qui sont plus là pour des grandes maps avec des véhicules et tout, parce que là déjà il n'y a pas de véhicules. Ça permet plus aux développeurs d'ajouter plein de nouvelles armes. Franchement j'étais vraiment satisfait, mais je crois qu'ils font partie des armes que j'utilise le plus avec la AK et la M16 maintenant. Genre la M5K, le Spazou, j'aime vraiment. La Hog, elle est vraiment super. La Scar, elle qui vous permet de faire des longs shoots si vous la gérez, qui est fun. Des fois, je fais comme ça des parties sur des serveurs vides avec un pote. On s'amuse au sniper sur... Comment ça s'appelle, bout de machin là, opération tempête de feu. Donc voilà, nous sommes enfin passés sur le gameplay sur ferraille. Et le gameplay sur ferraille, faut savoir qu'il dure assez peu de temps. Je crois que j'ai mis en 5 minutes car j'ai trop rien à vous dire sur ferraille. Alors sur ferraille, c'est un système où il faut bloquer les ennemis.
Et ce n'est pas un système où, où il faut faire des rondes. Bref, excusez-moi, j'étais en train de tousser. Donc ce n'est pas un système comme dans Tour Ziba où il faut faire des rondes. Et moi plus particulièrement sur cette... Souvent je vois H. Bon, je sais pas, je vois assez mal sur l'écran parce que c'est un petit écran flouté. Bon, on va appeler le point B. Bon, vous comprendrez de toute façon quand avec la vidéo. Le point B, j'aime bien le contrôler. C'est le point où je défends le plus sur ferraille. Je sais pas pourquoi, vraiment. Souvent les personnes ont un point favori, truc du genre. Bah, moi, voilà, c'est. Ça, je crois, c'est le point C. Le point C qui est beaucoup convoité par les joueurs. Il y a souvent du monde. Faites attention au C4, il y a souvent du C4. Je vous le répète encore car vous pouvez vous faire vraiment surprendre par le C4. Que peuvent être les ennemis sur les points. Donc là vous voyez, je crois qu'il y a 1, 2, 3 étages. 3 étages si je me trompe pas. Et moi les 3 étages j'ai du mal à les gérer, je vous l'avoue. Voilà, l'étage qui est en fait après à l'extérieur. L'étage à l'extérieur sont... On peut y retrouver des quelques snipers qui jouent souvent sniper assez OG car la distance n'est pas grande. Donc une petite lunette assez OG x4 et je pense la plus adaptée pour les snipers qui souhaitent jouer sniper sur ferraille et à l'extérieur. Donc là, pour prendre ce point qui est le point A, je vous conseille tout simplement de vous allonger derrière une chose. Donc là, idem pour ce point-là. Regardez, allongez-vous et franchement, les ennemis ont un peu de mal à vous capter car c'est un endroit assez étroit. Donc voilà, nous continuons ce gameplay avec ma petite absence que j'ai dû avoir. Donc là vous voyez encore que vraiment j'y tiens à ce point là que j'ai vraiment du temps parce que voilà. À voir, et vous voyez pendant le gameplay là j'utilise le G18 silencieux, j'aime bien, ça fait soif d'avoir un silencieux, je sais. Et donc là, donc je sais pas si j'ai filmé ça aussi, j'ai filmé des cléments, les cléments je peux pas s'acheter, ça dépend où vous les mettez. Je trouve que ça peut être fair play et utile. Enfin, faire plus je m'entends, ça peut être surtout utile, voilà. Et donc voilà, franchement je fais par partie quand je pose une clé mort, c'est il m'arrive de faire souvent des kills. Donc et pour le dernier point, je vous conseille juste de vous tourner vers un des côtés là, voilà, et de poser une clé mort sur le côté opposé ou d'avoir un coéquipier avec vous. La clé mort qui est censée aussi remplacer votre coéquipier si vous n'en avez pas, comme je l'ai fait pour ce game pour ces parties simplement. Donc si vous avez Skype et tout, je vous donne mon pseudo. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. Et je vous dis ciao et à la prochaine. Allez, ciao.
soigne-toi avec ça.